Ich En ma qualité de président de l'association des professionnels acteurs du foie et de la climatisation INACASO, APSC, et au nom du comité d'organisation de la première édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou, je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture que les voies plus autorisées effectuent officiellement. Les recommandations issues de la première édition de la Journée mondiale du foie organisée le 26 juin 2019 au Burkina Faso par la PSC et la ITBF, avec la participation d'associations sœurs de la sous-région Côte d'Ivoire, RDC et Niger, milite pour la création d'un salon au foie pour faire de Ouagadougou la vitrine du foie en Afrique. L'efficacité énergétique au cœur de l'utilisation des équipements et des appareils de foie pour tirer le meilleur profit des applications et des usages. Aussi, je me réjouis de l'organisation de campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques dans l'utilisation de ces équipements et appareils d'une part, et d'autre part, j'apprécie l'organisation d'un panel sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans le domaine du foie. Je suis convaincu que la promotion des énergies renouvelables dans le domaine du foie autorisera un meilleur accès des applications frigorifiques auprès des populations urbaines, mais surtout auprès des populations rurales.